Alors, des restes, des restes, des restes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Avec les restes de poulet rôti, je vais faire une soupe thaï. Pour cette recette, j'ai besoin des restes de poulet, de jeunes pousses d'épinards, de carottes, de gingembre haché fin, de pousses de soja, de coriandre et de nouilles asiatiques. Pour le bouillon, je vais utiliser du fond de volaille déshydraté, mais il est éventuellement possible d'utiliser du bouillon de poule ou un bouillon thaï qu'on appelle la soupe pho. Donc je récupère les morceaux restants de ma carcasse de poulet que j'effiloche assez finement. Pour le bouillon, je mets à chauffer environ 75 centilitres d'eau avec une belle cuillère à café de bouillon de volaille. Je mélange bien le tout. Si vous souhaitez relever votre soupe, vous pouvez ajouter quelques gouttes de tabasco. Dès que mon bouillon commence à frémir, j'y jette mes carottes en rondelles très fines, mon poulet et une cuillère à café de gingembre haché. Pendant que mon bouillon cuit, je vais plonger mes nouilles chinoises dans de l'eau frémissante pendant 1 minute. On va maintenant procéder au dressage. Les nouilles chinoises sont égouttées. On va les dresser au fond du bol. Je dispose également au fond du bol le soja, mes pousses d'épinards qui vont cuire avec le bouillon. Ensuite, la garniture du bouillon, poulet, carottes, gingembre. Et ensuite, le bouillon. Et enfin, je termine par les feuilles de coriandre que je dispose sur le potage. Et voici comment, à partir de restes de poulet rôti, j'ai fait une soupe thaï idéale pour le dimanche soir.